Près de Jésus, je trouve un sûr asile. Et si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure, en lui je suis tranquille. Dans ma faiblesse agit son bras puissant. Il me rassure, en lui je suis tranquille. Dans ma faiblesse agit son bras puissant. Près de Jésus, je suis béni sans cesse. Allègrement, je porte mes fardeaux. Un mot de lui dissipe ma tristesse. Et son amour me donne le repos. Un mot de lui dissipe ma tristesse. Et son amour me donne le repos. Près de Jésus, nulle frayeur, ma joie est invincible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Jésus, mon recours, mon asile, le protecteur. Près de Jésus, ô douceur infinie, je peux marcher heureux jour après jour, jusqu'à la fin du combat de la vie, et son amour me donne le repos. Jusqu'à la fin du combat de la vie, et son amour me donne le repos. Près de Jésus, nulle frayeur, ma joie est invincible. Près de que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je vais lire le psaume 112 pour vous à la gloire de Dieu. Psaume 112. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Car il ne chancelle jamais, la mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents
Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince les dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Parole du Seigneur. Amen. Bon matin à tous. Bienvenue à l'église Béré dans votre foyer. J'espère que vous avez passé une excellente semaine dans la grâce et les bontés de notre Dieu. C'est toujours un plaisir de vous accueillir à chaque semaine. Et puis, j'espère vraiment qu'en ces temps-ci, malgré les moments difficiles de confinement, malgré qu'il y a du déconfinement, mais j'espère qu'en ces temps plus difficiles, anormaux, que vous pouvez quand même toucher et goûter à la grâce de Dieu. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à vous joindre à moi dans un temps de prière afin que nous puissions remettre ce temps de culte hebdomadaire à notre Dieu. Prions ensemble. Notre bon Papa, on veut te dire merci. Te dire merci parce que tu es bon. Merci parce que tu renouvelles ton onction, tu renouvelles tes bontés à chaque matin. Merci parce que tu es un Dieu trois fois saint et merveilleux. Tu es le rocher sûr, solide, et tu es notre appui en ces moments difficiles. Papa, merci parce que tu es un Dieu trois fois saint. Merci parce que tu prends soin de nous. Merci parce que tu ne changes pas. Merci Seigneur Jésus pour ce sacrifice suprême à la croix. Et merci de ta résurrection parce que c'est par ces deux événements que nous avons accès au trône céleste de notre Papa céleste, que le voile est déchiré en deux. Merci aussi, Saint-Esprit de Dieu, parce que par ton conseil, par ta voix quotidienne, toujours présente, nous pouvons prendre des décisions éclairées dans nos vies. Nous pouvons marcher avec ceux. Et c'est par ton conseil, Saint-Esprit, que notre pas ne chancelle point. Papa, on veut te remettre, nous voulons te remettre ce matin ce culte, nous voulons mettre ce temps à part pour toi. Que ce temps puisse monter vers toi, que nos louanges puissent monter vers toi comme un doux parfum agréable à tes narines. Seigneur, merci. Merci parce que tout a été accompli par Jésus, par ta volonté. Et tu nous as laissé le Saint-Esprit pour que nous puissions marcher. Merci et encore merci pour tout. Et nous espérons que nos louanges, que la prédication du pasteur McGoffey ce matin puisse vraiment nous interpeller. Viens nous restaurer. Viens nous rafraîchir ce matin. Parce que nous avons tellement besoin d'une touche personnel de toi. Alors, sers-toi des serviteurs qui vont participer à ce culte ce matin, afin de nous rafraîchir, de nous restaurer. Merci d'être un Dieu de progrès, merci d'être un Dieu d'avancement, et merci parce que tu as préparé des plans de paix et de joie pour nous. Alors, Seigneur, nous voulons embrasser cette vision. Nous voulons, Seigneur Dieu, marcher dans tes voies. Viens, Seigneur Dieu, faire ton œuvre en nous. Bénis ce culte, qu'il puisse être une source intarissable pour chacun de tes enfants. C'est dans le beau nom de Jésus que nous te prions, que nous te louons et que nous t'exaltons. Amen et amen. Bon temps dans le Seigneur et un excellent culte à vous. Soyez bénis. Bonjour. Alors, ça nous fait plaisir d'être avec vous ce matin pour vous apporter ces quelques chants de louange. Et j'espère que vous allez être bénis autant que nous, on est bénis d'être avec vous ce matin. Et que le Seigneur puisse nous honorer de sa présence et qu'il puisse guider et toucher le pasteur qui va apporter la parole ce matin. Et le premier chant nous dit « Remplis-moi de ta présence. » «
Seigneur, comme on a besoin d'être rempli et touché par ta présence en ces temps troublés. Remplis-nous, remplis-nous, Seigneur. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie, la puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférente à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence et m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie, la puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie, afin que tu remplisses ma vie. Ma vie. Oui, Seigneur. Remplis nos vies, Seigneur. Fais couler la rivière. Remplis-nous de ta puissance, de la puissance de ton Saint-Esprit. Comme une pluie. Comme une pluie. Nos vies, Seigneur. Alléluia. Parce que quand ton esprit est là, Seigneur, nous voyons la sainteté de notre roi. Nous voyons son amour. Nous sommes remplis de sa lumière et nous t'adorons. Jésus. Alléluia. Quand je vois ta sainteté, ô mon roi, quand tu me berces dans ton amour, quand toutes choses deviennent remplis par ta lumière. Quand je sens la joie d'atteindre ton cœur, quand ta volonté devient la mienne, quand toutes choses autour deviennent remplies par lumière. Je t'adore, Jésus. Je t'adore, Jésus. Ma raison de vivre, c'est de
t'adorer. Je t'adore, Jésus. Je t'adore, Jésus. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Et t'adorer, Seigneur. Quand je vois ta sainteté, ô mon roi, quand tu me verses dans ton amour, quand toutes choses autour deviennent remplies par ta lumière. Quand je sens la joie d'atteindre ton cœur, quand ta volonté devient la mienne, quand toutes choses autour deviennent par ta lumière. Je t'adore, Jésus. Je t'adore, Jésus. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je t'adore, Jésus. Je t'adore, Jésus. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Oui, Seigneur, quand tu me verses dans ton amour, alléluia, rempli de ta lumière, pour ton amour. Merci, Seigneur, que nous avons le privilège d'être bercés en toi. Que le Seigneur vous bénisse tous. Passez une bonne semaine. Merci, Seigneur.
Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous sommes contents, encore une fois, pour vous apporter la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce que nous voulons partager avec vous, c'est un petit peu difficile parce que nous allons aborder le personnage de Samson. Le personnage de Samson, c'est un peu énigmatique. On peut même dire c'est contrasté. Samson, et parfois on l'aime pour sa force, on l'aime pour sa vigueur, mais souvent quand on regarde aussi ses actions, il y a plusieurs personnes qui trouvent en Samson plus une sorte de syndrome à éviter qu'un modèle à imiter. Mais sauf que Samson se retrouve dans la Bible. Et la parole de Dieu nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu, selon 2 Timothée 3, verset 16, que nous lisons pour vous. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc si la vie de Samson, le ministère de Samson se retrouve dans la parole de Dieu, c'est sûr que Samson, sa vie et son ministère, eh bien, sont utiles pour nous corriger, pour nous enseigner, pour nous convaincre et pour nous instruire. De plus, dans Hébreux 11, verset 32, nous retrouvons Samson parmi les héros de la foi. Tout ceci nous porte à dire que le personnage de Samson n'est pas aussi déceptif que plusieurs sont portés à le croire. Et nous allons voir comment tirer vraiment le meilleur parti du personnage de Samson. Et nous avons aussi le verset de 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, qui nous dit « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc nous sommes certains que le Saint-Esprit a poussé l'auteur du livre des juges pour introduire dans ce livre cette partie qui nous parle de la vie et du ministère de Samson. Allons dans Juges chapitre 2, versets 11 à 19. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. Verset 16. L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituaient à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux.
ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivi leur père et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Verset 18. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Ces 9 versets posent le contexte dans lequel Samson va prendre naissance. Et quand nous lisons dans Juges 13, verset 1, nous retrouvons ceci. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Quand vous parcourez tout le livre des Juges, vous allez voir que ce verset qui introduit l'entrée en scène de Samson, eh bien, cette introduction est différente de la manière dont l'auteur annonce l'arrivée des juges. Comment il le fait ordinairement? Eh bien, il commence par dire, « Oui, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. » L'Éternel les livre à des nations qui les punissent, mais aussi, il a l'habitude de dire, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Mais dans le cas de Samson, on se rend compte que cette portion n'est pas là. Je dois vous dire aussi d'emblée que la majeure partie de ce que je vais partager avec vous, je l'épuise dans le livre du professeur Daniel Arnold. C'est un commentaire sur le livre des juges. C'est les juges, ces mystérieux héros de la foi. Selon le professeur Daniel, le livre des juges se caractérise par 5 R. C'est quoi les 5 R? C'est la révolte, la ruine, la repentance, la rédemption et le repos. Quand on regarde la vie du peuple Israël du temps des juges, c'est une vie en dents de scie. Quand ils en ont assez des peuples qui les maltraitent, ils crient à Dieu. Dieu leur envoie un rédempteur, un leader qui les délivre. Pendant toute la vie du leader, ils sont en repos parce que le leader les amène à se confier en l'Éternel. Mais d'un coup que le leader est mort, comme nous l'avons lu ici, au verset 19, mais à la mort du juge, eh bien, ils retombent dans leur apostasie, ils retombent dans leur infidélité, ils retombent dans leur idolâtrie, ce qui irrite l'Éternel. Si on regarde la motivation du livre des juges, selon Alfred Kuhn, dans son livre 66 en eux, il dit « Le livre des juges veut tout d'abord montrer ce qui s'est passé de Josué à Samuel. » Ce serait alors un livre historique. Mais Alfred Kuhn nous dit d'emblée que le but historique est subordonné au but spirituel. Parce que le livre des juges nous montre tout d'abord les effets néfastes de la désobéissance. Il dit « La désobéissance conduit à l'esclavage. »
et l'apostasie conduit au châtiment. Mais la repentance et la prière conditionnent la restauration et nous avons ajouté et le salut. Parler de Samson, il dit Samson, par bien des traits, représente le peuple d'Israël. Naissance miraculeuse et vocation, force prodigieuse due à la présence de Dieu, faiblesse réitérée devant la tentation, asservissement. Donc Samson nous rappelle aussi que Dieu peut se servir d'instruments bien imparfaits pour l'accomplissement de ses desseins. De même, il nous avait montré en Gédéon comment Dieu peut utiliser des ressources bien faibles afin que toute la gloire revienne à Dieu. Et avec Samson, c'est un être imparfait parce que l'être parfait va venir bien plus tard en la personne de Jésus-Christ. Mais nous allons voir comment Samson a témoigné de Dieu auprès de son peuple. Quand Samson est né, le peuple d'Israël se retrouve dans un état d'apostasie, infidélité, désobéissance, et même ils acceptent la domination des Philistins. Nous lisons ici que les Philistins les dominent pendant 40 ans. Pendant 40 ans, le peuple d'Israël accepte la domination des Philistins et sans bouger. Quand nous lisons dans Juges chapitre 13, nous allons trouver où il est dit « Le Saint-Esprit commence à agiter Samson à Makhané-Dan ». Les historiens nous font savoir que Makhané-Dan, c'est là où il y avait un camp militaire israélien. Donc nous comprenons quand Samson se retrouve devant ce camp israélien, quand il voit les militaires, mais cependant qui acceptent que les Philistins dominent sur eux. Et quand il lit dans la Bible que les Israélites devraient chasser toutes ces nations, eh bien nous comprenons que son sang commence à bouillir dans ses veines. Et la Bible nous dit, l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Makhané-Dan entre Soréa et Eshtarol. Juges 13, verset 25. A remarquer que c'est le dernier verset du chapitre 13 qui nous a présenté la naissance, l'annonce de sa naissance. Samson, avant d'entrer dans son ministère, j'aimerais vous dire que Samson partage des caractéristiques avec de grands personnages dans la Bible. Avec Isaac, avec Jacob, avec Joseph, Samuel et Jean-Baptiste, eh bien, Samson partage le fait d'être né d'une femme stérile et qu'il a fallu l'intervention directe de Dieu pour que ces femmes deviennent enceintes et enfante. Aussi, vous allez trouver que Samson partage avec Jérémie, Jean-Baptiste, Jésus et l'apôtre Paul le fait d'avoir été consacré dès le sein maternel. Vous pouvez lire ça en Jérémie 1:5, Luc 1:15, Luc 1:35 et Galates 1:15. Mais avec Jean-Baptiste, Jésus, Samson partage aussi quelque chose. Pour la naissance de Jean-Baptiste et de Jésus, c'est l'ange Gabriel qui avait annoncé
cette naissance. Mais cependant, pour Samson, c'est l'ange de l'Éternel même qui était venu annoncer la naissance de Samson. Pour Isaac, c'était pareil. Parce que Abraham avait reçu chez lui trois personnages. Il ne savait pas que c'était la Trinité. Mais c'est pendant qu'Abraham les recevait, pendant qu'ils mangeaient avec Abraham, et ils ont annoncé la naissance d'Isaac. Mais cependant, pour Samson, c'est une mission commandée. L'ange était venu pour ça et il est apparu deux fois. Une première fois à la mère de Samson seulement, la femme de Manoac, et une deuxième fois à la femme qui a appelé Manoac parce que Manoac avait prié pour que cela se produise. Et nous lisons en Juges 13, verset 3, verset 9, versets 20 à 22. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Verset 9. Dieu exauça la prière de Manoac et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoac, son mari, n'était pas avec elle. Versets 20 à 22. « Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoac et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoac et à sa femme. Alors Manoac comprit que c'était l'ange de l'Éternel. » Verset 22. « Et il dit à sa femme, « Nous allons mourir car nous avons vu Dieu. » Il y a une chose que je vais partager avec vous parce que le professeur Daniel l'a fait remarquer dans son livre. Dieu, à chaque fois que Dieu va franchir une étape spécifique et importante dans l'histoire de la rédemption, il intervient à ce que des femmes stériles enfantent, et cet enfant est un enfant spécial. Saraï était stérile, elle a donné naissance à Isaac, l'enfant de la promesse. Rebecca, la femme d'Isaac, était stérile, elle a donné naissance à Jacob, qui est le père des 12 tribus d'Israël, les patriarches de la nation d'Israël. Rachel, la femme de Jacob, était stérile. Dieu a intervenu, elle a donné naissance à Joseph. Et nous connaissons l'histoire de Joseph, arrivé en Égypte, qui est devenu premier ministre, et c'est grâce à Joseph que toute la famille de Jacob a été sauvée de la famine, et c'est aussi grâce à Joseph qui les a installés en Égypte, et c'est en Égypte que la nation d'Israël a pris naissance. Donc Joseph est un grand patriarche. Samuel, le fils de Anne, la femme d'Elkana, que nous retrouvons dans 1 Samuel, est né d'une femme stérile. Et Samuel était un grand juge, un grand sacrificateur, un grand prophète. Et Dieu l'avait choisi pour oindre les deux premiers rois de la nation d'Israël dans la personne de Saül et David. Jean-Baptiste, né d'Élisabeth, femme stérile. Jean-Baptiste est le précurseur de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ eut à dire, de tous ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est le plus grand. Et nous retrouvons Jésus qui est né d'une vierge, qui marque une nouvelle création. Vous comprenez que Samson est un homme spécial.
D'ailleurs, il n'y a personne qui lui ressemble dans le monde entier jusqu'à nos jours. Personne n'a ressemblé à Samson. Il est unique par sa force, mais aussi par sa manière d'enseigner son peuple. Parce que quand nous regardons, quand Samson va rentrer en scène, le peuple était incrédule. Il fallait que le peuple de Dieu se réveille. Et c'est cette mission de réveil que Samson va faire. Nous retrouvons au chapitre 14 la première action que Samson va faire. Il va essayer de montrer au peuple d'Israël la vraie nature des Philistins. Que les Philistins, ils ne sont pas dignes de confiance. Il ne faut pas leur faire confiance. Et que c'est contre nature qu'il s'allie aux Philistins. Ce qu'il va faire, il va contracter mariage. C'est le contrat le plus sérieux que l'on puisse passer, un mariage. La Bible dit, il descend à Timna, il trouva une fille et il demande à son père et à sa mère d'aller faire la demande de la main de cette femme. La Bible nous dit clairement, ses parents n'avaient pas compris ce que Samson faisait. Chapitre 14, verset 3. Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple ?» Que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis. Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Beaucoup de personnes trouvent en cette attitude de Samson comme un non-respect envers ses parents. Mais regardons ce que la Bible dit au verset 4. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Ça veut dire que l'Éternel avait caché au père et à la mère de Samson ce que lui-même avait confié à leur fils. Ici, la mère de Samson avait oublié si l'ange lui avait dit qu'il serait consacré dès le sein de sa mère. Et c'est lui qui va commencer la délivrance du peuple d'Israël des Philistins. À remarquer, il n'est pas venu pour délivrer. Il est venu pour commencer la délivrance. Quand il demanda à ses parents d'aller faire la demande pour lui, eh bien ses parents n'avaient pas compris qu'il cherchait une occasion de dispute avec les Philistins, mais dans sa tête, il voulait montrer au peuple d'Israël que les Philistins ne sont pas des gens à qui on peut faire confiance. Et ce mariage va mal passer. En chemin pour aller à Timna, il faut retenir cela. Où ses parents vont faire la demande de cette femme philistine, mais là, l'Esprit de l'Éternel l'accompagne. Il n'est pas seul. L'Esprit de l'Éternel accompagna Samson quand il descendait à Timna pour aller faire la demande de cette femme philistine qu'il voulait marier. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Et l'Esprit de l'Éternel saisit Samson au verset 6. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. L'Esprit de l'Éternel. Il devrait encore descendre à Timna. Mais quand il s'est détourné pour aller voir ce qu'il est advenu du cadavre du lion, il a vu là-dedans un essaim d'abeilles. Il en a pris du miel, il en a mangé et il en a donné à ses parents, mais sans leur parler du lion. Il savait pourquoi. Parce que là, pendant
les jours de noces, il va proposer une énigme à ses 30 compagnons qui sont des Philistins, bien sûr. Il va leur proposer une énigme en leur disant, si vous répondez à mon énigme, je vais vous donner 30 habits neufs. Sinon, c'est vous qui me donnerez des habits neufs. Dans un premier temps, ils étaient d'accord avec Samson. Mais quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas trouver la réponse de l'énigme qui était comme suit, du fort est sorti le doux, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. La Bible nous dit qu'ils ont menacé la Philistine de la tuer, de la brûler, et de brûler la maison de son père. Donc voilà pourquoi cette femme va tourmenter Samson. Et la Bible nous dit, cette femme est allée révéler la réponse aux compagnons de Samson. Et au verset 18, les gens de la ville dirent à Samson le septième jour, avant le coucher du soleil, « Quoi de plus doux que le miel? Et quoi de plus fort que le lion ?» Et la réponse de Samson, c'est de leur dire, « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme, qui est très méprisant de la part de Samson, parce qu'on sait très bien que les génisses ne labourent pas. Mais c'est pour dire aux Philistins, voici où vous êtes allés pour trouver cette réponse. C'est parce que vous avez fraudé. Vous avez été auprès de ma femme pour l'inciter à me demander de lui révéler le secret. Et avant, il avait dit à la femme, je n'ai même pas dévoilé ce secret à mon père et à ma mère, voire à vous. Pour les gens qui prennent Samson comme un charnel, parce qu'il est allé se marier avec cette femme, cette réponse en dit long. La Bible bien dit, il cherchait une occasion de dispute. Lisez bien le verset 4 du chapitre 14. Il cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. Et il l'a trouvée. Au verset 19, ça fait la deuxième fois que l'on va parler de l'Esprit de l'Éternel au chapitre 14. L'Esprit de l'Éternel le saisit. Il descendit à Ascalon et il tua 30 hommes philistins. Il prit leurs habits et ainsi il a honoré son engagement envers ses compagnons, mais au prix de 30 philistins. L'Esprit de l'Éternel ayant saisi Samson, eh bien l'Éternel a accompli son jugement sur les philistins. Au verset 15, nous retrouvons Samson qui revient. On nous dit, au temps, à l'époque de la moisson des blés, il descend à Timna pour aller retrouver son épouse. Arrivé chez son beau-père, le beau-père lui dit qu'il ne peut pas entrer dans la chambre de sa femme parce que, vu qu'il était parti fâché, on a donné cette femme à quelqu'un d'autre. Et Samson dit, cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. C'est ce qu'il cherchait. Il ne faut jamais oublier. Juge 14, verset 4. Il cherchait une occasion de dispute et cela venait de l'Éternel. Juge 15, 4. Il est allé attraper 300 renards qu'il attache deux à deux par la queue avec une torche dans le nœud et il lâche les renards dans les champs de blé des Philistins. Encore une leçon de choses que Samson voulait donner au peuple d'Israël. Parce que pourquoi il a pris 300 renards? Il aurait pu prendre 20, 30, au moins 100, bon, tout au plus 200. Mais pourquoi s'arrêter à 300? Parce que dans Juges chapitre 11, nous allons retrouver Jephthé qui dit au roi des Ammonites, ça fait 300 ans que le peuple d'Israël occupe
le territoire parce que c'est Dieu qui le lui a donné. Alors Samson voulait aussi rappeler aux Israélites, ça fait 300 ans que vous occupez le territoire, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de contracter des alliances contre nature parce que amarrer des renards par la queue, c'est une alliance contre nature. Et quand vous lâchez deux renards amarrés par la queue, eh bien, ils vont dans des directions opposées et ils s'étirent les uns les autres. Et vous allez trouver, pour montrer le résultat de cette alliance contre nature, eh bien, c'est le feu. Avec la torche au milieu, les renards partent dans toutes les directions, s'étirant l'un l'autre, qui sont attachés par la queue, et ils vont à travers les champs et brûler les champs de blé des Philistins. Pour montrer aux Israélites, quand vous persistez dans des alliances contre nature avec des peuples païens, ça ne peut produire que la catastrophe. Et maintenant, quand les Philistins ont appris que c'est Samson qui a fait ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont montés, ils sont allés tuer la femme, ils ont tué le père de la femme et ils ont mis le feu à leur maison. Au verset 7, Samson leur dit, « Est-ce ainsi que vous agissez? Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. » Donc, ce qu'il cherchait, il l'a eu. Et occasion de dispute contre les Philistins. Il les bâtit rudement, dos et ventre. Puis il descendit et se retira dans la caverne du rocher des Tam. Et nous comprenons, c'est encore sous l'onction du Saint-Esprit que Samson a fait ça, parce que l'Esprit de l'Éternel n'a jamais abandonné Samson. Il faut toujours vous rappeler de cela. Sur le chemin de Tsoréa à Timna, il avait le Saint-Esprit. Donc aussi maintenant, Samson, en luttant contre les Philistins, en battant les Philistins dos et ventre, le Saint-Esprit était là. La Bible dit qu'il descend dans une caverne, dans un rocher. Eh bien, c'est là que nous allons retrouver les hommes de Juda descendre pour livrer Samson aux Philistins. Juges 15, 10. Les hommes de Juda dirent, « Pourquoi êtes-vous montés contre nous ?» Ils répondirent, « Nous sommes montés pour lier Samson afin de le traiter comme il nous a traités. » Donc, c'est dans une conversation entre les Philistins et les Judéens. Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher des Tam et dirent à Samson, « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous ?» Et voici ce qui ronge Samson. C'est que le peuple de Dieu accepte la domination d'un peuple païen, un peuple infidèle et incirconcis, comme les parents l'avaient dit à Samson. Ce sont des incirconcis. Il y a un auteur qui a fait voir que Samson est inconscient parce que ses actions ne font que monter les Philistins contre le peuple d'Israël. Mais c'est ce que Samson cherche. Et effectivement, ils ont lié Samson pour le remettre aux Philistins. Donc nous voyons ici combien Samson est solitaire. Il n'a pas le soutien de son peuple. Mais en dépit de cette solitude, Samson va continuer la mission qui lui a été confiée. Je ne sais pas pour vous qui assistez à ce culte, pour vous qui nous écoutez maintenant, assurément Dieu peut vous confier quelque chose et vous vous retrouvez seul là-dedans. On ne vous comprend pas, mais sachez qu'avec Dieu, vous avez toujours quorum.
Même si vous êtes seul dans le ministère, même si vous êtes seul dans votre travail, mais seulement soyez certain que Dieu est avec vous. Et c'était le cas de Samson. Ils sont venus pour lier Samson, comme Jésus a été lié pour être remis aux Romains. Samson dit, ok, liez-moi, mais ne me tuez pas seulement. Pourquoi Samson a demandé à ses concitoyens de seulement le lier pour que je ne sois pas obligé de me venger ou bien de me défendre contre vous? Or, se défendre veut dire tuer des Judéens. Effectivement, ils ont lié Samson. Chapitre 15, 14, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et ses liens sont tombés. Et là, il trouva une mâchoire d'âne avec laquelle il tua 1000 Philistins. L'Esprit de l'Éternel. Samson n'agit jamais seul. L'Esprit de l'Éternel est toujours avec lui. Et c'est là une leçon pour vous et moi. C'est la seule chose dont nous devons toujours être certains. Est-ce que l'Éternel est avec moi? Est-ce que ce que vous faites, vous le faites avec le Saint-Esprit de Dieu? Êtes-vous toujours dans le plan de Dieu? Samson était toujours dans le plan de Dieu parce que l'Esprit de l'Éternel, à chaque fois, à chaque occasion, comme on va le dire pour Jésus-Christ plus tard, l'Esprit de l'Éternel est avec lui. Pour cela, encore qui discrédite Samson, regardez ce que Dieu va faire pour Samson. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, « C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis ?» Verset 19 nous dit, « Dieu fendit la cavité du rocher qui est à l'équi et il en sortit de l'eau. » Est-ce que vous vous rappelez une autre occasion où Dieu avait fait ça? Allez dans Exode 17. Vous allez voir comment Dieu avait ouvert la cavité d'un rocher avec Moïse. Donc, le même miracle que Dieu avait opéré pour Moïse, Dieu l'a opéré également pour Samson. Pourquoi? Parce que Samson était dans le plan de Dieu. Parce que Samson agissait tout le temps sous l'onction de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'a jamais abandonné Samson. Et c'est ce que nous devons aussi tirer de Samson. Le fait qu'il ne s'est jamais départi de la mission que Dieu lui avait confiée. Et c'est là qu'on a appelé cette source Haine à Corée. Elle existe encore aujourd'hui à l'Équi. Et on nous dit, Samson fut juge pendant 20 ans en Israël. Maintenant, nous sommes au chapitre 16. Chapitre 16 nous parle de deux événements. Pendant trois versets, on nous parle de Samson à Gaza, chez une prostituée. Laissez-moi vous dire, beaucoup de gens ont laissé travailler leur imagination en voyant dans ces trois versets ce que la Bible n'a pas dit. Et Satan est content quand on fait ça, parce qu'on ne respecte pas la parole de Dieu. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici et ils l'environnèrent. Il se tint en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons.
Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. En trois versets, on nous parle de la visite de Samson à Gaza. Il entre facilement, il en ressort facilement. Il est allé chez la prostituée pour faire tout ce que l'on pense, mais Samson dit, esprit tordu, je n'étais pas venu faire ce que vous pensez. Voici pourquoi j'étais venu. J'étais venu exactement pour montrer à mon peuple comment vous êtes vulnérables. Et comment il l'a montré? Il s'est levé à minuit, pendant que les autres qui étaient en embuscade dormaient, il a arraché les portes de la ville. Les portes de la ville, c'était le symbole de leur sécurité, le symbole de leur protection. Et là, Samson les arracha. Maintenant, la porte ne peut plus se fermer, puisque les portes n'existent plus. Samson les a arrachées. Samson a arraché les portes. Il les a mises sur son épaule et il les a portées sur une distance de 60 km à vol d'oiseau à Hébron. Qu'est-ce que Samson voulait enseigner? Encore une leçon de choses. C'est pour dire aux gens d'Israël, vous pensez que les Philistins sont forts? Bien, je vais vous montrer qu'ils sont beaucoup plus vulnérables que vous ne pensiez. Regardez, leur ville forte, la ville la mieux protégée des Philistins. Eh bien, Samson est allé leur dire, regardez leur ville la mieux protégée. Il n'y a pas de protection. Parce que la protection, c'est dans le nom de l'Éternel. C'est l'Éternel qui est un rempart sûr. Il dit au peuple d'Israël, eux, ils comptent sur des portes pour leur donner sécurité et protection. Et moi, je compte sur l'Éternel. Mais regardez ce que notre Dieu m'a permis de faire. Maintenant, la ville est livrée à vous. Mais malheureusement, les gens d'Israël ne suivaient pas le même plan que Samson. Et voilà pourquoi leurs yeux n'était pas ouvert pour voir que Samson travaillait pour les délivrer des Philistins. Le peuple d'Israël d'alors, dans le contexte de Samson, ils étaient aveugles. Ils ne voyaient pas que Samson travaillait et luttait pour eux. Ce n'est pas la première fois que des hommes de Dieu rentrent chez une prostituée. Dans Josué, les deux espions que Josué avait envoyés pour espionner Jéricho, où est-ce qu'ils s'étaient rendus? Chez Rahab, la prostituée que nous retrouvons dans la généalogie de Jésus. Mais est-ce qu'on avait pensé que ces hommes-là avaient une relation sexuelle avec Rahab? Non, mais bien mieux! Qu'est-ce qu'on avait retrouvé chez Rahab? La Bible dit, quand les gardes étaient venus chez Rahab pour chercher les deux espions, Rahab les avait recouverts de lin. Et qu'est-ce que le lin symbolise dans la Bible? Le lin symbolise la miséricorde. Donc chez Rahab, que tout le monde pensait être une prostituée, une femme de mauvaise vie, il y avait de la miséricorde que les espions ne pouvaient pas retrouver ailleurs. Et nous allons voir aussi avec cette prostituée, parce que Samson va nous montrer la différence entre cette prostituée et Dalila qui est une juive. Il est rentré chez la prostituée et il est ressorti pour montrer au peuple d'Israël que les Philistins sont semblables à une prostituée. On peut rentrer chez eux facilement et on peut en sortir sans difficulté. Mais vous aussi, en vous appuyant sur l'Éternel,
Vous pouvez rentrer chez eux et même prendre tout ce qu'ils possèdent et les faire sortir de votre vie. Mes amis, combien de Philistins vous dominent? Ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool, ça peut être les drogues, ça peut être la sexualité, et même ça peut être aussi toute autre chose qui vous domine aujourd'hui. Ce sont des Philistins, mais vous pouvez les vaincre juste en vous confiant en Jésus. Et c'est cette leçon que Samson voulait faire passer. Mais malheureusement, les enfants d'Israël avaient raté l'occasion de se dégager de la domination des Philistins. Maintenant, Samson a dit, « Ok, j'ai été chez une prostituée à Gaza, mais regardons maintenant ce qu'une femme juive va faire. » Parce que à partir du verset 4, l'auteur commence par nous parler de la relation de Samson avec Delila. Tout le monde pense que Delila était aussi une Philistine. Nullement, Delila n'était pas une Philistine. Delila était une juive. Delila était de la même nationalité que Samson. Maintenant, en voyant la manière dont s'est déroulée la relation de Samson avec Delila, tout le monde jette des pierres sur Samson. Mais quand je vous disais que Delila n'était pas une Philistine, c'est la manière dont les Philistins ont traité avec elle. On offrait de l'argent à Delila, tandis qu'il menaçait la Philistine. Donc, ça nous fait voir que Delila n'était pas une Philistine, c'était une juive. Et maintenant, quelle va être la faute de Samson? Certains vont dire, parce qu'on a coupé les cheveux de Samson, c'est que Samson a péché contre son vœu de Naziréen. Mais regardons bien, ce n'est pas Samson de son plein gré qui a coupé ses cheveux. La Bible dit, Delila, à plusieurs reprises, lui a demandé le secret, mais à trois reprises, il s'est joué de Delila. Mais Samson était devenu aveugle parce qu'il aimait Delila. Et c'est ça sa faute. Il aimait cette femme et il ne pouvait pas s'imaginer que cette femme ne voulait que sa pète. Bien que à trois fois, il lui a dit, les Philistins sont sur toi. Il a fait confiance à une femme indigne de confiance. C'était la faute de Samson. Il y a des gens aussi qui disent que Samson avait eu des relations sexuelles avec Delila. Il y a ici des éléments qui nous montrent que c'est faux. Parce que la Bible dit, Delila cachait les Philistins dans sa chambre. Donc vous pouvez comprendre que Samson n'a jamais été dans la chambre de Delila. Et Delila a joué sur le fait que Samson était un homme honnête. Et là encore, c'était pour donner une leçon de choses au peuple d'Israël pour leur dire, vous êtes en train de faire confiance aux Philistins, or voilà qu'ils sont indignes de confiance. Et moi, regardez-moi, j'ai fait confiance à Delila, mais voici comment elle va me traiter. La leçon à tirer de la relation de Samson avec Delila, c'est qu'il y a des gens qui chantent avec nous dans l'assemblée, qui prient avec nous dans l'assemblée, qui lisent la Bible avec nous dans l'assemblée, mais ils ne sont pas de Dieu. C'était le problème de Delila. Elle était juive, mais cependant, elle avait commerce avec les Philistins et tout ce qu'elle cherchait, c'est à trahir Dieu.
Samson. Jésus-Christ nous a appris à prier. Ne nous laisse pas succomber en tentation, mais délivre-nous du malin. Pourquoi? Parce que nous sommes pécheurs. Nous sommes voués au péché et nous commettons des erreurs. Nous n'avons pas tout le discernement qu'il faut. C'est ce qui s'est passé avec Samson. Il n'avait pas le discernement parce qu'il aimait Delila, il a perdu son sens de discernement et ainsi, il s'est vendu à Delila et normalement, qu'il a trahi et qu'il a remis aux mains des Philistins. Mais vous voyez, Samson donne une autre leçon. Samson est en train de nous apprendre que vous ayez péché. Et ça, c'est dans le livre de 1 Jean qui nous le dit aussi. Si vous pensez que votre péché est énorme, eh bien, sachez que le sang de Jésus peut nous laver de tout péché. Samson est en train de nous l'apprendre. Avant sa mort, Samson a fait exactement ce que le peuple d'Israël n'a pas voulu faire. Il s'est repenti. Il a prié. Il s'est remis entre les mains de Dieu. Il a demandé l'aide de Dieu. Encore une leçon de choses, un enseignement qu'il donnait au peuple d'Israël, aux enfants d'Israël, pour leur dire, si vous appelez à Dieu, il va vous écouter et il va vous venir en aide. Appelez au secours. Et la dernière chose que nous voyons Samson faire, c'est au moment de mourir. Il était conscient de ce qu'il allait faire. Que je meure avec les Philistins. Moi, ça me rappelle la parole de Jésus. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Que je meure avec les Philistins. Il donnait sa vie pour pouvoir combattre les Philistins. Il est mort. Et l'auteur du livre des Juges nous dit qu'à sa mort, il a tué beaucoup plus de Philistins que pendant son vivant. La mort de Samson a été l'objet d'une grande victoire contre les Philistins, comme la mort de Jésus a été pour nous l'objet d'une grande victoire sur la mort, sur le péché et sur le monde et sur Satan. Donc Samson nous enseigne à nous confier en Dieu. Samson nous enseigne à ne pas nous départir de la mission que Dieu nous a confiée. Samson nous enseigne qu'on nous injure, qu'on nous raille, nous devons toujours continuer à compter sur Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Et nous avons vu comment Dieu aidait Samson dans sa mission. Le professeur Daniel nous a fait remarquer que Samson occupe 16,7% du livre des Juges. 4 chapitres lui ont été consacrés et Samson est cité parmi les héros de la foi. Donc vous comprenez que Samson ne peut pas être seulement un exemple à ne pas suivre. Nous devons suivre l'exemple de Samson, pas dans sa faiblesse parce que le Saint-Esprit a laissé apparaître la faiblesse de Samson afin de voir comment Dieu utilise des êtres imparfait pour accomplir son dessein, mais par le fait qu'il a suivi le plan de Dieu dans toute sa vie est pour nous une leçon. Moi, aujourd'hui, je me base sur les leçons de choses que Samson enseigne pour me confier en Dieu et pour savoir qu'avec Dieu, réellement, nous ferons des exploits. Et c'est lui qui écrasera nos ennemis. Samson nous a montré que sa puissance venait de Dieu. Et pour terminer, j'aimerais vous faire remarquer que comment Samson s'est sacrifié pour enseigner qu'il ne faut jamais faire alliance avec le diable.
Le diable est un menteur. Le diable est déloyal. Il vous fait croire qu'il a beaucoup de puissance. Cependant, Satan est limité à ce que Dieu lui a donné. Et Satan n'est pas maître de ses mouvements. Il doit agir dans les limites que Dieu lui a fixées. Alors, pourquoi voulez-vous faire confiance à Satan et vous laisser à Dieu qui a tout le pouvoir? Il est souverain. La Bible dit, il est au ciel et il fait ce qu'il veut. Voulez-vous prier avec moi afin que Dieu puisse nous conduire à lui faire confiance, quelles que soient les circonstances? Prions le Seigneur. Cher Seigneur, nous te remercions de ce que tu nous as permis de partager ce message avec tes enfants qui regardent cette vidéo. Merci Seigneur. Merci de ce que tu nous as enseigné, combien il faut toujours te faire confiance. Et combien, Seigneur, la force est en toi. Nous le chantons souvent. Oui, il y a force, force dans le sang de Christ. Mais quand nous sommes confrontés aux problèmes de la vie, quand nous avons beaucoup de soucis, quand nous vivons des circonstances difficiles, nous oublions souvent que la force est en Christ et que c'est avec Christ que nous pouvons être toujours plus que vainqueurs, Seigneur. Aide-nous à nous servir de l'exemple de Samson, comment il a marché avec toi et comment tu t'es servi de lui pour enseigner ses leçons de choses à son peuple. Et permets que nous ne soyons pas aussi incrédules que le peuple d'Israël, mais afin que nous ayons les yeux ouverts, surtout nos yeux spirituels, pour voir comment tu agis pour nous. Papa, aide-nous. Donne-nous de ta force. Et aide-nous à nous approcher de toi. Et aide-nous à comprendre que vraiment c'est avec toi que nous réaliserons des exploits et toi-même, tu écraseras nos ennemis. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. C'est avec beaucoup de joie que nous vous avons présenté Béré dans votre foyer. Merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Et le rendez-vous, c'est mercredi soir à partir de 18h45 sur Zoom 450-963-9364 si vous avez l'application Zoom sur vos appareils, ou bien repérez le lien sur églisebéré.com. Oui, églisebéré.com, descendez jusqu'en bas, vous aurez le lien, ou bien par téléphone 438-809-7799. Vous faites 0 pour le français et dès que l'on commence à parler, vous composez 450-963-9364 et puis le carré. Pressez le carré jusqu'à ce que vous entrez dans la réunion. Et puis dimanche prochain, nous vous attendons à 8h45 jusqu'à ce que le Seigneur fasse grâce et que nos bâtiments de réunion puissent se rouvrir et que nous puissions nous rejoindre ensemble pour adorer le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. C'est si bon. Alléluia. Oui, c'est bon. C'est passionnant. C'est victorieux.
jamais. Chaque jour infiniment. Eh oui, chaque jour infiniment. Chaque jour infiniment. Infiniment bon, infiniment miséricordieux. Chaque jour infiniment. Infiniment bon.